Bon, c'est un T4 ici. Avec un joint de culasse. Donc on va démonter la culasse pour la rectifier et changer le joint. Bon, déjà, je vais vous montrer donc, ce qu'il fait. On va remplir d'eau et on va essayer de démarrer pour voir. Et après, on va procéder à démonter la culasse. Bon, d'abord, on va démonter la façade. Et après, on va progresser. Vas-y, démarre! Stop! Bon, on a enlevé la façade. Après, on a enlevé le radiateur. Bon, là, on va commencer déjà. Bon, il faut commencer par débrancher la batterie. Bon, on accède bien au moteur là. On va démonter la. Je pense qu'on va démonter un peu l'admission là. La distri. Les injecteurs et on sort la culasse, il doit être accessible quoi. Bon, on va sortir la distri. Après, on va dégager. Pas dégager l'admission, l'échappement, les injecteurs, les bougies, l'arrivée d'eau, et je pense qu'on pourrait sortir la culasse après. Déjà la distri il est à faire quoi. Donc ça tombe bien parce que déjà il est détendu quoi. Bon voilà les caches culbuteurs sortis. On a démonté les tuyaux d'injecteur. On a démonté l'arrivée d'eau là-bas. On va démonter celle-là. En fait, on vient juste déboîter l'échappement là, ici là. Et après, on va sortir la courroie et on sort la culasse entière. Avec les injecteurs et les bougies et tout. Ça se désherbe rapidement ça. Normal, c'est trop chaud. Il a chauffé. Ouais, il est déformé celle-là, c'est sûr. Eh? Sûrement. Problème, c'est qu'il y a un problème là. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Et viens voir. Je vais faire le pas. Ah ouais, il y a de l'eau là quand même. Ah ouais, j'ai vu. Alors? Va falloir le gratter là, hein. Gratter quoi? Le bas moteur là. Quoi? Tu vois pas les traces? Oui, je vois ici. Il n'y a que celui-là là. Ah, c'est celui-là aussi un peu là. Ouais. Sur toi.